Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, un nouveau petit carton. Donc les gars, on est parti pour une nouvelle vidéo unboxing. J'ai juste ouvert hein, le premier pour pas que vous voyez l'adresse tout ça, mais j'ai pas encore regardé. Je sais ce que c'est, mais j'ai pas encore regardé la boîte tout ça. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite juste après l'intro pour ouvrir ce colis ensemble. Donc voilà l'équipe, le carton, bah c'est déjà un assez gros carton, hein. Vous pouvez voir. Allez, pour la taille du colis qu'il y a dedans, il est là. Pour la taille du colis, c'est déjà un assez gros carton. Donc tout simplement, j'ai qu'à retirer ça, vous allez voir ce que c'est. Donc voilà, je suis parti chez Klim pour un petit clavier mécanique. Donc petit clavier mécanique qui va, premier colis qui commence. Pour la rénovation complète du setup qui se situe juste là. Voilà. Donc voilà, là vous avez mon setup. Voilà, je vous ferai, si vous voulez une vidéo du setup actuel, vous me le dites, je vous en ferai une. Et puis je vous ferai une vidéo setup quand le nouveau setup sera arrivé. Donc voilà, clavier Klim. Donc regardez, il pèse déjà son poids là. Il est déjà pas mal. Donc voilà, donc mécanique, switch bleu, RGB, 16 millions de combinaisons. Bon voilà. Hein. Un bon petit PC, hein, 105 touches, tout ça, tout ça. Et du coup, il est USB, tout ça, tout ça. Donc, pour ceux qui veulent la référence du clavier, je vous la mettrai dans les descriptions de la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, tout simplement, vous voyez que je ne l'ai pas ouvert, hein, parce qu'il y a encore son scotch clip là, qui est là. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et puis, on va voir un peu à quoi il ressemble, les gars. Voilà. On va le couper. Donc, tac. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. C'est bon. Donc, la boîte est ouverte. Regardez un peu à quoi. Ah oui, il est très bien protégé, le clavier. Très bien protégé. Donc, on va le sortir. Donc là, vous avez l'USB pour brancher au clavier. Et voilà, vous avez toutes les protections. Donc, franchement, bien, bien emballé chez Klim. Franchement, les petites mousses sur le côté. Bon, dedans, il y a tout ce qui est autocollant Klim, bien sûr. Bon, voilà, ça, c'est des messages de Klim. Et puis ça, c'est de la pub. Et puis, l'explication de comment fonctionne le clavier, voilà. Donc, du coup, ça, on n'en a pas besoin. Donc, ça, hop, on va l'ouvrir. Là, il est là, regardez, il est là. Il est là. Bon, pour le moment, je pourrais vous le brancher, mais j'ai pas un PC, comment dire, un PC à tour. Donc, voilà, le clavier Klim. Franchement, voilà, pour ceux qui veulent l'acheter, il y a un prix de 80, je crois 80 euros le petit clavier. Donc franchement, bon petit prix. Donc voilà, écoutez bien. Voilà, mais il a un bon petit son. Il n'y a plus qu'à le brancher, les gars. C'est, je vais vous le brancher et je vous montrerai tout de suite juste après, une fois branché, ce que ça peut donner. Allez, on se retrouve tout de suite une fois qu'il est branché. Donc voilà les poteaux, je l'ai posé sur mon fauteuil parce que là actuellement, bon voilà, c'est un peu le bordel sur le setup. Donc voilà, je l'ai posé là, j'ai plus qu'à le brancher les gars. On va regarder, vous allez regarder un peu comment il s'allume. Franchement c'est énorme, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et là, toutes les couleurs, franchement, ça change, ça, enfin voilà, ça varie comme ça. Vous avez plein de modes d'options différentes. Bah après, je vais pas le régler tout de suite. Allez, là, vous avez des majuscules. Hop, elle s'affiche. Là, les numéros s'enlèvent, tout ça. Enfin, franchement, il a l'air d'être propre. Hein. Franchement, vraiment, il a l'air d'être magnifique. Donc, première partie du nouveau setup qui va remplacer celui-là. Bon, ça bougera pas. Ça bougera pas. Ça va bouger. Ça va. Pour le moment, ça bougera pas. Ça bougera après. Le fauteuil bougera pas, mais bah, le grosso modo, ça va virer.
Le petit trophée, je vous l'avais pas présenté celui-là. Regardez les gars, bien sûr. Partenaire officiel de Giants. Donc voilà, merci à eux d'avoir envoyé le trophée, ça fait plaisir. Donc voilà les gars. Petit clavier Clim, dédicace, parce que j'ai déjà le tapis de souris qui va chez Clim. Après Logitech pour la souris, Logitech pour le volant. Donc voilà. Ceux qui demandent, j'ai 29, ça fait 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans que je l'ai. Pareil, tapis de souris, plus d'un an, souris, pareil. Je ne vous ai pas allumé. Ouais, hop, voilà. J'ai la bande LED hein, qui est derrière, mais bien sûr, elle est débranchée parce que. Elle est là, elle est débranchée. Parce que j'ai branché le clavier qui est juste ici. Donc voilà, si vous voulez que je vous remontre un peu, hop, là on va le réteindre. Et là on va le rallumer. Tac. Regardez un peu comment il s'allume. Boum. Et voilà. Franchement, c'est juste un truc de fou. Donc les gars, je vous mettrai le lien du clavier en description pour ceux qui le veulent. Donc n'hésitez pas, hein, c'est sur Amazon, vous allez le trouver. Donc sur ce, moi l'équipe, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo, petite présentation et unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Farmer Gaming. Bonne soirée à tous. Bye bye!